Avouez que la musique d'intro, là, c'était votre préférée. Soyez pas gêné. Personne va vous juger. Je vous le promets. Bon. On commence Métro 2033. Qui est adapté d'un livre. Qui est aussi une suite. Métro Last Light. Là, je joue Métro Redux. C'est-à-dire les deux. C'est un pack. Il coûte 50$, je trouve que ça vaut son prix. Édité par Deep Silver. Et créé par du monde. J'aime beaucoup le jeu. Graphiquement, là, ça a changé depuis Xbox 360. Là. Vraiment, là, on voit une différence. Ok, ben on va commencer. Avec cette pénurie de munitions et de filtres, c'est celui-là le plus dangereux. Jamais les forces d'infiltration plus difficiles. Joueur 1, plongé dans l'horreur, le combat acharné, rationnement de ressources garanties. Vu que je suis très bon dans les jeux FPS, hein. Ben, je vais jouer en mode spartiate. Parce que là c'est plus d'action. Ouais. Normal. Oui. Parfait. Bon, on commence. Le tunnel se refroidissait. Melnik et moi n'étions plus très loin de la surface. Bientôt, sous les hurlements du vent, nous allions devoir faire face. Quel que soit ce qui nous attendait là-bas. La fin de mon long voyage approchait. Mais aurais-je le courage, la volonté d'y parvenir? Hey, Artyom. Quand t'as quitté ta station d'origine, pouvais-tu imaginer qu'on finirait dans un endroit pareil? C'est pas si laid que ça le jeu. Ou l'envoyer tout droit en enfer. Il est sorti en 2010, je pense. À base. Mais je pense que... Pas grave. Il faut franchir l'avant-poste militaire pour rejoindre la surface, Arkham. Ah oui, je sais comment jouer, j'ai déjà fait le jeu. Et je vous dis tout de suite là, cette arme là. C'est une P90. Je l'ai. Et vraiment, je pense que c'est une des armes que je trouve la pire dans le jeu. Au complet, genre. Mais bon. C'est l'arme du début, hein, fait qu'on va faire avec. J'ai l'impression que ça va être le fun quand même, ce let's play là. Puis j'espère que vous l'appréciez autant que moi là. Parce que, tu sais, normalement on avait promis de pas faire de let's play là, mais... Pour des raisons là, je sais pas si vous voulez savoir ou... Personne n'en a rien à foutre et puis ils veulent juste voir le let's play là, mais... Ouais, d'après moi c'est ça. Fait que je vais pas le dire. Pas grave. J'ai chargé mon masque. Ok, c'est parti. On dirait qu'il y a personne. Avant d'atteindre la surface, mets ton masque à gaz. Sinon... Ouais, parce que... L'air a été genre intoxiqué. Fait que si on reste de même, on va mourir. Charge ton arme. C'est déjà fait. Ils approchent. Déjà des monstres, ça fait 2 minutes que je joue. Fermez sa gueule en 2 secondes, lui. Shit.
Ouais, ça c'était lettre. Vraiment lettre. Porte, ouvre-toi. Tu parles vraiment à une porte là. Aide-moi à l'ouvrir. Prêt? Hey. Pas de loot. Non. Wow. Voici Artyom, notre but. Quoi, l'apocalypse tombé? Terminé. Je reçois 5 sur 5, terminé. Nous sommes à la tour de télévision, je répète. Nous sommes à la tour de télévision. Le groupe a-t-il évacué? Terminé. Affirmatif, contact établi. Il devrait être près de la tour de télévision à présent. Terminé. Reçu. Oh shit. Ok. Bon, moi je me suis pas fait écraser, sinon ça aurait mal commencé. Ça vient juste d'arriver et il se fait bumper par un char. La classe. Vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça sonne mauvais ça. Tous en cercle. Beaucoup. Ok, je vais pas demander comment j'ai eu des munitions alors que je n'avais plus. Mais ils m'en ont donné, ça doit être, ouais, ça doit être ça. Surveillez vos arrières, les gars. Comment tu veux rester calme avec des monstres de même autour de toi? Je sais pas de quoi qu'ils parlent, je pense que j'ai pas ma place ici là. Vraiment pas. Bon, c'est pas grave, on attaque. Oh non. Juste donner des coups de couteau. Ok, je pensais que j'allais mourir là. Ok, j'aurais préféré mourir là. C'est badass quand même des démons. Mais c'est pas gentil. La vie était dure dans les tunnels, mais c'était chez nous. La routine y était réconfortante, toujours les mêmes visages, jour après jour. Mais depuis que les attaques des mutants s'étaient intensifiées, la peur régnait sur la station. Je venais d'avoir 20 ans. Jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer le matin où l'ami de mon père adoptif, Hunter, est arrivé à la barricade. On va rencontrer Hunter là. Il est super cool lui. Même si on le voit 5 minutes dans le jeu. Il est super cool. Ah. Fait qu'on est en Russie. Post-apocalyptique bien sûr. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il me semble que c'est une bombe. Ou je sais pas trop. Des armes chimiques. C'est ce... Je pense, ouais. Je pense que c'est ça. Ah, ok. Je pensais que c'était un défilement d'image sur le mur. Enfin réveillé, je vois. Hunter va arriver. Il doit avoir des nouvelles des autres stations. Bien. Non, là on commence. Mais. Ouais, ouais. On commence pour de vrai. Ouais. Là. Vous allez être familier avec ce bruit là pendant tout le jeu parce que c'est le même bruitage. Je refais une chanson. Mais c'est trop dégueulasse. Non, de quoi là, non plus. Ah. Waouh. Ok, ça a l'air le fun dans le métro.
fois, la maladie, la dépression, la mort. La station ne tiendra pas longtemps si ces attaques ne s'arrêtent pas. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est cool. C'est très cool. Nous verrons ce qu'en dit Hunter. Merci. Ah oui, c'est l'ami de mon père adoptif. Bonjour Artyom. Une autre patrouille a été attaquée la nuit dernière. L'hôpital est plein? Ben je sais pas. Ça va l'air d'un ton interrogatif, ça. Ils font comme si je connaissais le jeu, merde. Pas de visiteurs. Piotr. Le capitaine a dit qu'il allait bien. Oh, c'est vous. J'espère qu'il est en vie. Salut. Allez, Alex. Bonjour, Artyom. Le gars. Ok. Non, toujours rien. Non, c'est pas grave. Comment vont les blessés? Ah. Pas d'amélioration. Deux sont morts ce matin. Je vais vous laisser mettre sur pause et lire. Parce que ça me tente pas de lire. Et l'autre page aussi. Et si ça vous tente, ça. Fini. Ils s'en prennent à l'esprit de leur victime. Combien de temps ça va durer? J'en peux plus. Ok, vraiment là, c'est dépressif comme ambiance. Surtout ça. La mort, la dépression, l'apocalypse. Là, c'est mon genre de place, ça. J'espère que dans le futur, ça va être de même. Je suis sûr, là. Moi, je survivrai tout le temps. Je serai le best. Et là, Carlis. Son cave. Je pense que le monstre va frapper à une porte. Il va le défoncer, le monstre, lui. Ça, si tu parles que c'est pas badass. Merci. Fermez cette porte. Ça faisait un bail, Hunter. Content de te voir, Alex. Bonjour, Artyom. Alors, Hunter, qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur? Apocalypse, la mort. Pas grand-chose. J'entends surtout parler de VDNKH et des morts vivants dans vos tunnels. Les zombies, ça c'est cool quand même aussi. J'ai rencontré un vendeur de vieilles cartes postales de New York. J'ai pensé à ton mur. C'est très gentil, mais. Les créatures mutantes sont différentes. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est pire encore? Qui vend des cartes postales de New York? À quoi c'est utile dans l'apocalypse? C'est une petite coïncidence quand même. Ah. Des problèmes. Tout le temps des problèmes ici. Kirill, emmène ton groupe dans les tunnels. Hunter et moi. On doit rester ici et défendre le hall. Très bien. Artyom, attrape vite une arme. Ok. Oh, vous vrai. Oh non, vous me laissez vraiment ça. Vous avez des AK-47, puis moi j'ai un pistolet. Vous êtes sérieux là. Ah, une flashlight. C'est bien. Ils sont où? Oh, what the? Ils sont où? Ok. Oh, c'est les one shot. C'est bon, ça. What the? More. Moi, je perds mon sang froid là. Attendez là. Hey, le jeu là. Il est pas en tout sensible. Attends, option de jeu. Oh non, on peut pas le modifier. Attends, manette sans fil. Sensibilité. Un peu plus là, sinon c'est n'importe quoi. Ah là c'est mieux, d'après moi.
Headshot. Ça va? Mais bien sûr. C'est un bon tireur, le petit. C'est quoi cette voix-là, quand même? Juste les déchets habituels. Non, il a changé de voix en deux secondes. Les sombres sont là. Leur arme, c'est la peur. Elle fait fuir les Nosalis comme des rats dans les tunnels. Les sombres sont pas de simples mutants, mais des Homo Novus, la prochaine étape de l'évolution. Oh. Tu connais la survie du plus fort? Bah devine, on a perdu. Qu'est-ce qui te prend, Alex? Tu peux te laisser emmener à l'abattoir comme un agneau. Tant que je suis en vie, je me battrai. Et j'emmènerai plusieurs de tes Homo Novus avec moi en enfer. Tu te prends vraiment pour un cow-boy? Ouvre les yeux, Hunter. Ben. Des soldats, entraînés au combat. Quand même, là. Brisé, leur esprit perdu. Ils ont détruit le poste de garde extérieur. Oups. Wow, des autistes. Est-ce qu'ils s'affrontent? Je sais pas. Et c'est vraiment... Qui diable sait ce qui se passe là-bas? Horrible. Au-delà de votre périmètre, je vais partir en reconnaissance. Écoute bien, Artyom. Si je ne suis pas revenu dans la matinée, rends-toi à la station police et trouve un certain Melnik. Raconte-lui ce qui m'est arrivé et ce qui se trame dans les tunnels nord. Montre ça à Melnik et il saura que tu viens de ma part. All j'ai right. Confiance en toi, Artyom. Je compte sur toi. Yes, Steve, yes. Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends? Ah oui, je comprends le français. Ouais, le gars, on le voit 5 minutes dans le jeu, même pas. 3 minutes. Puis il part déjà. Pas évident de trouver une excuse pour quitter la station et me rendre jusqu'à police. Mais j'avais donné ma parole. La caravane partait pour Riga le lendemain et il cherchait des gardes. Alors je me suis inscrit. Une voix mélodieuse. Enfin, t'as pris ton temps comme d'hab. Ok, prends ton matos et va sur le quai. Ils nous attendent. Je te rejoins là-bas. Hé, hey, Artyom, n'oublie rien. Il me crie après, puis il est dans la même pièce. Je comprends pas le russe non plus. Oh, c'est une chanson. Bon, on va s'arrêter là. Puis... on va recommencer là. Salut.